Putain, la remontée que j'ai fait. Ok, attends, attends, attends. Je vais voir. J'ai fait rapidement le message. Par contre, enfin, je regardais les créations, c'est toujours pas la création des flèches. Hein. Oh putain, c'était dur ça. Toujours un connard de véhicule qui explose après. Huh?
Oh, c'est pour un vieux défi de parcours. Oh, je le fais pas flemme. Faire ça. Au moins c'est enregistré quoi. Je ferai les défis de parcours quand j'aurai tout quoi. Ça c'est une zone sombre. C'est bizarre ce brouillard à chaque fois maintenant. Et qu'il y a même... Attends, il y a un brouillard là, mais puis ici. Ouais. Pas beaucoup de zombies. Tiens, qu'est-ce qui se passe? Oh ouais. Put. Je veux dire, pourquoi ça fait pas des flèches électriques, mais oui. C'était du bon loot tout ça. Sortir par là, ok.
Y a un truc que je dis heureusement que les arcs se cassent pas au fait, hein. Oh les champignons, qu'on se sert même plus au final. C'est même pas ça que je voulais visiter en plus. Comment foutre le bordel en une flèche? C'est trop puissant les flèches électriques. Ah, je me disais, il n'y avait pas de bug pendant toute la nuit. Trop beau. Et puis c'est un coup d'entend. Bon, me revoilà. Putain, magie. La pause. C'est la rediff. Ouais, donc j'ai bugué en claquant mes flèches d'électrique. Oui, c'est ça. Fils de pute de jeu. Bon, pour le coup, j'ai rarement eu des jeux buggés comme ça. Putain, mais alors là... Bob. Faites-moi popper à côté d'un zombie maintenant. Ah, ça a marqué comme si je l'avais pas découvert. Et bon, on y retourne. Taper le trou de balle. Ah, j'ai encore mes flèches. Merde! C'est quoi la technique? Alors, est-ce que je l'ai débloqué cette technique? Thank you.
Moi, dans ces zones-là, ce qui est bien, c'est suffisamment en hauteur pour pas qu'il nous chope. Bam, flèche, flèche, flèche. Sûr, comme d'habitude. Il est pas mort celui-là. Qu'est-ce qu'on fait? Comment? Reste du bleu, je suis pas d'accord là. Attends, 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 il y a une récompense là-bas. Je vais me capter là. Ouais, donc à peine ils sont partis, les pacificateurs eux, ils sont arrivés quoi. Eden, à un moment donné,
Arrêtez d'être con. Je sais même pas comment j'ai fait. Tu peux sortir. Ils peuvent plus rien faire. Qu'est-ce qui s'est passé? On était en train de bosser. Quand ils ont attaqué, ils ont pris nos provisions et... abattu ceux qui s'interposaient. Mais pas tout le monde. Les autres, ils sont où? J'ai vu personne d'autre. Ils ont dû se faire embarquer. Oh mon Dieu. Maria. Robert. Ils ont pris mes amis. Est-ce qu'ils ont attaqué d'autres camps? Les survivants du camp, situé au sud, ont dit qu'ils avaient été attaqués aussi. Ils ont pris la nourriture et les jeunes hommes en bonne santé. Ils les ont forcés à les rejoindre, apparemment. On sait tous que les renégats sont de véritables salauds. Mais ils avaient gardé leur distance jusqu'à présent. Tu sais où ils auraient pu amener tes amis? La frontière entre le territoire du boucher et le nôtre n'est pas loin. C'est là que les renégats ont leur camp. Tu vas les aider? Je t'en supplie. Il n'y a pas de pacificateur ici. Personne pour les aider. Je vais essayer. Merci. Sois prudent. Ils pourraient avoir des avant-postes le long de la route. Je vais te guider par radio. Je m'appelle Casper. Yeah! Non mais... Maman animé. Non mais... On va fouiller lui, je vais pétiner l'autre con.
Putain, voilà les kamikazes. Pas possible, ça a explosé à l'infini aussi. Ils vont arriver à l'infini. Oh, je vais détester les boomers, ça. Faire venir à chaque fois un boomer en plus, là, c'est casse-couille. Il explose automatiquement, qu'est-ce que tu veux faire? Et voilà, je tire dans la tête. Meurs, mais pas tes couilles, je comprends pas comment tu es... Oh putain, c'est vrai. Je comprends pas comment tuer les boomers sans le faire exploser. Thank you.
T'es en train de me dire, tu vas pas réussir à passer ça? Ce survivant avait raison. Quelque chose tourne vraiment pas rond par ici. Je suis au premier avant-poste. Aucun signe de tes amis. Ils ont dû aller vers leur campement. Il est plus à l'ouest, sur Fulton Tower Road. Rattrape-les avant qu'ils y arrivent. J'y vais. Non, je comprends pas. Ils disent que les renégats sont dangereux, mais le cessez-le-feu a duré des années. C'est comme s'ils ne craignaient plus les pacificateurs. Qu'est-ce qui a changé? On est peut-être sur le point de le découvrir. Je reste en contact. Oh, la rapidité d'action, quoi. Personne ici non plus. Ils ont pu s'arrêter au point de vue du moulin avant sur Garrison Boulevard. Dépêche-toi, ça sera plus difficile de les libérer s'ils atteignent le campement. Je vais les rattraper. Je crois avoir vu qui commandait ces renégats. C'était Elias. C'était un survivant. Il vivait dans la zone, il y a 2 ans. Il était avocat avant l'épidémie, un homme intègre. Puis, il a disparu. Il y a eu beaucoup de discussions à ce sujet. Disparu? Il y a 1 an, un type est venu. Un des hommes du boucher, ils ont dit. Apparemment, il travaillait pour le GRE, à l'époque. Il a essayé de convaincre les gens d'aller au barrage. Il leur a promis des armes. Et ceux qui l'ont suivi, sont jamais revenus. Quand j'ai vu Elias, juste avant, il avait l'air défoncé. Comme s'il était drogué. Ses yeux... Je vais m'en occuper. J'y suis. J'ai trouvé que des renégats ici. Ils ont donc déjà atteint leur campement. Impossible de sauver mes amis maintenant. Je vais aller jeter un coup d'œil et voir ce que je peux trouver. Je n'osais pas te le demander, mais on peut pas abandonner. Aide-les. Je t'en prie. Et que je tombe. Ne vous inquiétez pas, je connais le chemin. Oh,
Eh, je le fais exprès, hein. Moi que je le fais exprès. Tape-le! Ah, je commence à avoir ce réflexe, hein. Moi seulement. Il est tombé avec. Il y a encore un con en bas. Ah non, c'est la porte. Ok. Laissez ces gens partir. Je vais pas écouter la marionnette des pacificateurs. Tu vas t'étrangler dans tes ficelles. Ce sera un rideau pour vous tous. Mais nous, on n'a pas de ficelles. Il nous a libérés. De quoi tu parles, bordel? Le maître a libéré nos corps et nos esprits. Nous voyons maintenant qu'à chaque fois que nous terrassons un ennemi, nous absorbons sa force. Tu peux te joindre à nous. Ou tu peux passer l'arme à gauche aujourd'hui même. Oh, dommage. Pourquoi on aurait pu les rejoindre. Cette trêve. Pour le pouvoir, mon ami. Dans notre état libéré, nous possédons une force illimitée. Un pouvoir infini. Waltz, notre maître, nous a donné ce pouvoir. Jack, Matt et les marionnetteurs, enchevêtrés et étranglés contre nous, sans pouvoir. Vous êtes qu'une bande de junkies pathétiques. Merci pour l'offre, mais t'es complètement cinglé. Tu ne comprends rien. Attrapez-le. Tiens.
J'espère que les zombies n'arrivent pas jusqu'ici à QV. Merci. On ne l'oubliera jamais. Par ici, il y a une porte sur le côté. Allô? C'est Aiden. Tes amis sont sains et saufs. Merci, Aiden. On t'en doit une belle. Bon, on se fait quoi pour la... Ah non, non. En vrai, c'est une zone à danger. Pas visiter le reste. Non, c'est un infecté rare qui me manque. Jusqu'il faut unique, mais plus en rare. On va aller tout de suite. Avant qu'il fasse jour, ça. Enculés ne seront pas, apparus quoi.
J'ai enfin débloqué une arme à feu. C'est là qu'il faut espérer que... Attends, ils n'apparaissent pas, quoi. Ok, entre temps ils apparaissent. Non mais... Bon. Ok, prochaine fois, je saurai qu'entre les étages, ils réapparaissent.
Pas du moquer du coup. Attends, je suis où là? C'est parfait, et hop. Rien de fatidique. Ah bon? Descends pas d'escalier, l'échelle. Faut pas rester au bord de l'échelle sans me dire attends vas-y je vais descendre. Il y a un raccourci. Un sac à dap ici, non? Oh, oui, il y a tellement moins de zombies. Hmm.
Bon. On fera plus la même erreur d'y aller au milieu de la nuit. Bon. On va voir comme créature ce que c'est. Peut-être qu'on revient ici. On n'a pas encore de choix majeur quand j'y repense. Hein. C'est ça que je devrais faire sur les boomers, tiens. La dernière fois j'ai pas eu des boss parce que je suis arrivé parce qu'à la fin. Oh, il va falloir que je passe un tri l'équipement que j'ai récupéré.
On se casse. Mais en vrai, si je me forme du boss. Passe par en bas. C'est ça que je voulais vérifier. Très bien. On enchaîne. Non, je commence à m'habituer des grands immeubles. Yes, ça me l'avait fait pas fait depuis tout à l'heure. En candeur qui en peut plus. You.